Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment je conserve mes fruits et légumes pour les garder le plus longtemps possible. Je trouvais que c'était une idée pas mal pour ces jours, sachant qu'avec le confinement, il nous est compliqué d'aller régulièrement chez le primeur. Donc voilà, je vais tout vous dire dans cette vidéo, donc c'est parti. Je commence par la salade car c'est selon moi l'aliment qui se défraîchit le plus rapidement dans le frigo. Donc moi je les conserve dans des sacs de congélation refermables par un zip. J'en ai acheté il n'y a pas très longtemps, enfin avant le confinement, des sacs de conservation réutilisables, mais pour être honnête avec vous, ça ne change pas grand chose par rapport à ceux que j'utilisais. Voilà, je m'attendais à avoir quelque chose de plus consistant en termes de matière et pourtant c'est simplement des sacs plastiques. Donc ce que je fais, c'est que je glisse simplement du papier absorbant, du papier essuie-tout ou du sopalin, comme vous voulez, dans mon sachet de conservation. J'y mets ma salade, puis je recouvre d'un autre papier absorbant. Et ainsi, le papier essuie-tout va absorber en fait l'humidité qui est généralement la cause de la détérioration des aliments. Voilà. Donc ainsi, ça me permet de conserver ma salade un petit peu plus longtemps. Donc certes, pas 7 jours, pas une dizaine de jours, mais je gagne au moins 2-3 jours dans la conservation de mes salades. Donc moi personnellement, je ne procède pas du tout au lavage des fruits et légumes avant de les mettre au frigo parce que je trouve en fait que ça accélère la maturation des aliments. Donc voilà, je préfère les garder tels quels et de les nettoyer juste avant de les consommer. Autre avantage de conserver sa salade dans des sachets de conservation, c'est fini les emballages, fini ces grosses barquettes de salade qui prennent énormément de place dans le bac à légumes. Donc voilà, là on utilise simplement des sacs de conservation et ça prend pas du tout de place. On passe ensuite aux carottes qui est, je pense, l'un des aliments les plus consommés par les Français. Mais c'est vrai qu'au bout de quelques jours, elles peuvent vite devenir immangeables. Donc ce que je fais pour les conserver plus longtemps, c'est que je glisse du papier absorbant dans un tupperware. J'y mets mes carottes, puis je referme le tupperware. Ainsi, ça va retenir l'humidité et l'humidité qu'il y a en fait à l'intérieur du tupperware, c'est le papier qui va l'absorber. Ce que vous pouvez faire aussi si vous ne voulez pas utiliser de tupperware, c'est les envelopper dans un torchon et les mettre dans votre bac à légumes. Si j'ai des semaines chargées, je prépare en fait en amont mes légumes, voilà, je les prédécoupe. Et d'ailleurs, je vous avais posté une vidéo à ce sujet, comment gagner du temps en cuisine, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, quand je prépare en fait des carottes râpées à l'avance pour pouvoir les conserver 4-5 jours au frigo, je presse en fait un demi-citron, voilà, je mélange bien, je glisse dans un tupperware et je conserve ça dans mon bac à légumes. On passe ensuite aux fruits rouges qui pour moi c'est vraiment les fruits qui pourrissent le plus rapidement. C'est vraiment une grosse galère si on ne les mange pas le jour même ou le jour d'après, c'est mort. Donc ce que je fais pour les conserver 2-3 jours en plus, je les glisse dans un saladier avec un tout petit peu de vinaigre mais vraiment quelques gouttes. Je fais tremper mes fruits. Puis je les fais sécher sans même les rincer au préalable. Voilà, j'ai l'impression en fait que le vinaigre va leur apporter une certaine protection qui fait que bah, la maturation va se ralentir. Et puis ensuite, ce qui est très très important, c'est vraiment de bien les sécher. Faites très attention avec la framboise qui est quand même un fruit assez fragile. Donc voilà, c'est vraiment important de ne pas trop les manipuler, de ne pas trop les tasser aussi quand vous les conservez dans une boîte de conservation, une boîte hermétique. Donc voilà, je les sèche bien, puis je les range. Là encore, même procédé que pour les autres fruits et légumes, je glisse toujours du papier absorbant dans la boîte hermétique pour absorber en fait toute l'humidité. Je
J'avais vu dans un reportage que d'utiliser des sachets de conservation à petits trous aérés, eh bien, ça permettait de conserver beaucoup plus longtemps les fruits et légumes. Donc ces sachets sont quand même assez coûteux. Donc moi, c'est ma solution, mon système D, c'est d'utiliser un sachet de conservation classique et de le percer à l'aide d'un cure-dent. Voilà, c'est une solution très simple et c'est vrai que ça fonctionne pas mal. Puis on les range dans le bac à légumes, donc moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de ranger ces fruits et légumes dans des boîtes de conservation ou dans des sachets de conservation, puisque d'une c'est joli visuellement, on a vraiment une vue d'ensemble sur tout, et ça facilite grandement le nettoyage du frigo, puisque comme vous pouvez le voir, tout est dans des sachets ou dans des boîtes, donc rien ne coule, rien ne tombe, rien ne s'abîme au fond du panier, donc voilà, c'est vraiment un gros gain de temps dans le nettoyage du frigo. On passe ensuite aux pommes de terre, donc celles-ci doivent être conservées dans un endroit sec, aéré et à l'ombre. Donc moi je les conserve dans mon sous-sol, je les range dans ce panier que j'avais acheté chez Action, qui est plutôt pas mal puisque c'est un panier qu'on peut superposer et du coup ranger vos pommes de terre en bas et l'ail, oignon au-dessus. Donc voilà, bon bref, là je les range donc dans ce panier, puis je les mets au sous-sol. Attention tout de même à ne jamais mettre vos oignons dans le même panier que les pommes de terre, puisque les oignons vont faire en fait pourrir les pommes de terre prématurément. On passe ensuite à l'ail et l'oignon, donc le même principe que pour les pommes de terre, à conserver dans un endroit sec, aéré et à l'ombre. Donc moi j'avais acheté ces petits sacs chez Stokomanie il y a maintenant à peu près 6 mois. Je pense qu'ils doivent être encore en vente, mais bon, vous verrez bien après le déconfinement. L'avantage de ces petits sacs, c'est qu'ils ont un petit crochet qui permet en fait soit de les accrocher au mur ou au dos d'une porte. Ça fait un petit moment que je cherchais des sacs alimentaires en silicone que je pouvais aussi bien utiliser pour des produits liquides ou pas, pour des fruits, des légumes, pouvoir les mettre dans le congélateur, dans le micro-ondes, dans le frigo, dans le lave-vaisselle, et j'ai trouvé cela chez Jiffy. Donc ce paquet là, ce sera pour vous l'offrir, je compte organiser un concours. Donc voilà, ils sont vraiment top, assez coûteux, mais si j'en trouve sur Amazon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ce que je fais avec ces sacs, c'est que je les utilise pour conserver des légumes. Donc là, notamment, c'était de la courgette. Donc je les coupe en rondelles, puis pour vraiment bien conserver la courgette et éviter qu'elle se colle entre elles lorsqu'on veut les congeler, eh bien c'est très important de les sécher au préalable. Donc une fois séché, je les glisse dans mon sac réutilisable, je le referme, puis je le conserve au congélateur. Lorsque je veux ressortir et faire cuire mes légumes, eh bien j'ai simplement à glisser ce sac en silicone directement au bain-marie ou dans mon micro-ondes, voilà, peu importe. Donc là, pareil, si je veux préparer en amont tous mes légumes pour la préparation de mes repas, voilà, si je sais que je vais avoir une semaine chargée, eh bien je prédécoupe ma courgette, mais au lieu de la conserver au frais, je vais la mettre dans le congélateur, puisque je trouve qu'en fait au frais elle se dégrade quand même assez vite lorsqu'elle est prédécoupée. Par contre au congélateur, elle va garder toutes ses vitamines et minéraux. Les pommes, tout comme les bananes, ce sont des fruits qu'il faut conserver à part, qu'il ne faut absolument pas mélanger aux autres fruits. Pourquoi ? Parce qu'en fait, après qu'elles aient été cueillies, elles continuent de mûrir et elles dégagent un gaz qui s'appelle l'éthylène. Donc si celles-ci sont en contact avec d'autres fruits, eh bien elles vont pourrir beaucoup plus rapidement les autres fruits. Donc soit on les conserve à température ambiante, soit dans un frigo, peu importe. Mais si vous devez les mélanger avec d'autres fruits, eh bien à la rigueur, mettez-les dans un sachet plastique ou dans un sachet de conservation. Le champignon est un légume qui est composé de beaucoup d'eau et qui déteste l'humidité puisque ça va le pourrir beaucoup plus rapidement. Donc moi ce que je fais, c'est que je glisse du papier absorbant dans un tupperware, que je glisse dans un sachet de conservation, puis je viens perforer mon sachet de conservation pour faire évacuer l'humidité qu'il pourrait y avoir dans mon tupperware. Donc ainsi ça me permet de les conserver un petit peu plus longtemps. Ce que vous pouvez faire également, c'est les conserver dans un
dans un sachet en papier. Dans ma vidéo favori IKEA, je vous avais présenté ces couvercles en silicone que j'avais achetés et franchement que j'adore. Je les utilise pour tout, aussi bien en couvercle pour assiettes, bols, verres, voilà, ça adhère super bien à la surface. Si on met du liquide, ça ne coule absolument pas. Et je les utilise également pour protéger des aliments qui peuvent sécher au niveau de la surface, donc comme le chou, le concombre, le citron, voilà, donc ça permet de les protéger sans forcément utiliser du film alimentaire. Pour tous les autres fruits et légumes que je n'ai pas forcément envie de prédécouper ou de conserver dans des boîtes de conservation, j'utilise ces tapis fraîcheurs spécial réfrigérateur. Donc celui-ci, il me semble que je l'ai acheté chez Stokomani et l'avantage c'est qu'il passe en machine. Donc voilà, j'en découpe plusieurs et quand je dois nettoyer mon frigo, eh bien j'ai simplement à interchanger les tapis. Donc voilà, je pose directement mes légumes sur les tapis et l'avantage c'est que ça va absorber l'humidité et conserver un petit peu plus longtemps mes fruits et légumes. Personnellement, je déteste jeter de la nourriture, donc quand je vois qu'un légume ou un fruit a trop mûri, je l'utilise pour un smoothie, voilà, tout simplement. Si je sais que je ne vais pas forcément utiliser le légume tout de suite, ou le fruit même, eh bien, je congèle tout. Vous pouvez également blanchir vos fruits et légumes, donc c'est un peu de la pré-cuisson. Pour ça, il vous suffit simplement de les tremper dans de l'eau bouillante, puis dans de l'eau froide. Vous les faites bien sécher, vous les glissez dans un sac de conservation, puis vous les mettez dans le congélateur. Donc voilà, mes petites astuces. Donc si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Baby, don't cry.